Chers amis, on revient encore une fois plus vous parler de ce phénomène qu'on appelle rythme. Le rythme, c'est le cœur qui bat dans la poitrine. Même dans la poitrine, si vous mettez votre main ici, et si vous n'entendez pas de bruit, c'est que vous êtes malade ou bien c'est que vous êtes mort. Donc le rythme, c'est la vie. Il faut avoir du rythme, il faut avoir des habitudes, il faut avoir des obligations. Si vous voulez que ce soit des obligations naturelles, des réflexes, tout ça, c'est le rythme. Et celui-là, on l'appelle Kazagi. Kazagi, c'est comme le métronome que vous trouvez dans des machines. Hein? Et on peut appeler ça en anglais, si vous voulez, le métronome, le timekeeper. C'est lui qui garde le temps. Donc, vous allez voir comment est-ce que je dois rester pendant un bon moment. Je dois rester pendant longtemps en train de faire la même chose, mais tout en écoutant celui-ci, parce que c'est lui qui va faire les improvisations. Moi, mon travail, c'est de tracer la route. Et ça, vous savez comment? C'est le cerveau. Si votre cerveau ne fonctionne pas pour pouvoir maintenir ces choses, c'est que ça ne va pas. Donc, pour vraiment être en bon état, il faut avoir l'état physique, psychique, spirituel et si vous voulez aussi émotionnel. Voyez, alors nous allons exprimer beaucoup d'états ici, physique, psychique, émotionnel et spirituel. Alors Omar, je vais aller avec ça. Parler que ça, c'est le timekeeper, c'est lui qui garde le temps. Vous avez vu, je ne faisais rien d'autre. Je ne faisais pas de solo, je n'essayais pas de me montrer. Je n'essayais pas de montrer que moi aussi je peux jouer. Non, mon travail, c'est quoi? C'est de tracer la route et de laisser la liberté jaillir en lui et qu'il parle et qu'il parle. Il y a des instruments qui vont parler, qui vont échanger. Par exemple, il va aussi échanger avec le shakeré et avec aussi le tumbek, tu vois. Donc vous allez voir et nous revenons encore. J'ai gardé toujours le temps, j'ai gardé toujours la vitesse. Donc,
je n'ai pas augmenté la vitesse, je n'ai pas diminué la vitesse. Et cette concentration, je vous dis que ça vient du cerveau. Alors, si vous n'avez pas cet état psychique, cet état physique et cet état spirituel d'être, vous ne pouvez même pas diriger. Vous ne pouvez pas être un chef. Vous ne pouvez pas vous faire comprendre. Personne ne va vous comprendre. Donc, si votre cerveau là, ça ne va pas, vraiment ça ne va pas. Si vous êtes le chef, vous êtes le roi dans le village et que le cerveau, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, essayez de faire de l'exercice pour votre cerveau et aussi avoir le self-control. Et comme Salifou l'a dit tout à l'heure, à propos de la danse, ça peut aussi vous permettre à ne pas être en colère. On reprend encore une fois, regardez très bien que le temps est le temps. Oui. La musique, jouer de la musique, ça va vous aider à être en bonne santé. Hein? Intéressez-vous à la musique parce que c'est le médicament de l'âme, c'est le médicament de l'esprit et c'est le médicament de la paix. Jouer de la musique.